Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va jouer un petit peu avec la couleur. Pour commencer, on va faire une roue de couleurs. Ensuite, on va faire un dessin qui illustre les deux températures de couleurs, des couleurs froides et des couleurs chaudes. Mais, pour commencer, on va faire une roue de couleurs pour mettre toutes nos couleurs en ordre. Pour faire ça, moi, j'ai commencé avec un compas qui est ici. C'est un mécanisme, un outil avec deux bras. Un avec un bout pointu. L'autre bout ici, il y a un crayon. Des fois, tu peux avoir le crayon d'attaché. C'est un compas pour faire un cercle. Ça nous aide à faire le cercle. Alors, pour moi, ici, je vois que mon papier est quasiment... Je veux avoir un cercle au centre qui est à peu près 26 cm. Alors, pour faire ça, il faut que je le divise par deux. Alors, je mets un bout du compas au début des nombres et je mets l'autre à 13. À partir de cela, moi, je peux voir avec mon crayon ici le centre de ma page est ici et le centre pour ceci est à peu près là. Alors, je peux faire un X ici, ça va être le centre de ma page qui veut dire que je mets le bout pointu au centre de la page. Et je peux faire le tour avec le compas. Et ça va me donner un cercle parfait. Ici, je vais le redessiner pour vous autres, pour que vous puissiez voir. En plume feutre noire. Je fais justement... Je fais juste tracer la ligne pour faire un cercle parfait. Si vous n'avez pas de compas, vous pouvez toujours utiliser soit une assiette ou quelque chose de rond, le mettre et tracer autour. Maintenant qu'on a un cercle, il faut le diviser pour avoir 12 parties. Alors, pour le diviser en 12 morceaux, premièrement, on va le diviser en moitié. Alors, on prend notre règle et je vais le faire en noir pour vous, pour être maintenant en deux morceaux. Si qu'on le met en moitié encore, chacun de ces morceaux-là, maintenant, on a quatre morceaux. On avait un cercle, deux moitiés, et maintenant, on a quatre quarts. Pour se rendre à 12, il faut le diviser encore. Si on ferait le milieu, on aurait seulement 8 si on mettrait chaque au milieu. Alors, vraiment, pour en avoir 12, chaque quart va être divisé en 3. Alors, je peux mettre ma règle et je vais faire juste des petits points pour les diviser en 12. Alors, j'ai 18 cm ici. Alors, je mets un point à 6 et un autre à 12. Ça va nous donner une bonne idée de comment le diviser. Alors, à partir de mes petits points, maintenant, je garde toujours la règle au centre. Et si je fais mes lignes, au centre,
Maintenant, tu vois là, comment le quartier est maintenant divisé en 3. 1, 2, 3. Alors, celui-ci, on va le diviser encore. On va mettre deux lignes à travers. Et maintenant, juste comme ça, en les divisant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a nos 12 morceaux comme qu'on a besoin pour faire la roue de couleur. Une autre façon que vous pouvez le faire aussi, c'est en pliant votre papier. Et si tu le plies, tu le plies en moitié encore de l'autre façon. Alors, tu peux le plier de moitié comme ça. Puis encore une autre fois comme ça. Après ça, tu le plies deux fois. Une fois, deux fois, ça va te donner tes lignes. Et quand tu l'ouvres, tu vas avoir tes lignes toutes établies dans le cercle. Mais nous autres, ça fait qu'il y a deux façons de faire. Un cercle qui est divisé en 12 ou en quartier à moitié. Tu peux soit le faire avec une règle, un compas, ou tu peux le plier et ça va te donner tes lignes aussi. Tu peux voir ici, tu pourrais voir les lignes où ce que c'était plié. Alors, maintenant qu'on a un cercle qui est divisé, on va commencer à parler à propos des couleurs. Toutes les couleurs que tu vois commencent toutes avec soit le rouge, le jaune ou le bleu. C'est les trois couleurs primaires que quand tu les mélanges, tu fais toutes les autres couleurs. Alors, quand c'est plus pâle, tu ajoutes un petit peu de blanc. Quand tu veux plus foncé, tu peux ajouter un petit peu plus de noir. Mais les couleurs de base sont toujours faites avec ces trois couleurs-là. Alors, nous autres, on va commencer. Ici, on va commencer avec choisir une case pour le rouge. Ensuite, on va sauter de 3. 1, 2, 3. Le quatrième ici va être un B pour le bleu. Alors, on a mis le rouge, on a choisi un pour le rouge. On a sauté 1, 2, 3, puis on a mis le bleu. Ensuite, on va sauter 1, 2, 3 encore. Le quatrième ici, on va mettre un J pour le jaune. Alors, si que tu as bien calculé, tu devrais avoir trois autres avant de te rendre à rouge. 1, 2, 3 et rouge. Alors, je sais que mes couleurs sont bien divisées. Quand on choisit maintenant d'ajouter nos couleurs à notre roue de couleurs, il y a deux façons. Moi, je vais utiliser la peinture. Vous autres, si vous n'avez pas de peinture, moi, c'est de l'aquarelle. Tu peux avoir de l'acrylique. Tu peux avoir des crayons de couleur, des craies, des plumes feutres. Tout est beau. C'est parce qu'on va juste remplir nos cases avec les bonnes couleurs. Alors, pour commencer, je vais prendre le rouge. Je prends de l'eau avec un petit peu de rouge. Et je viens remplir ma case. Alors, l'important, c'est juste d'avoir une belle couleur qui est tout remplie où ce qu'on peut voir que c'est bien le rouge. Si tu ajoutes trop d'eau, il va être très, très pâle. Puis si tu n'ajoutes pas assez d'eau, ça va être très difficile à peinturer. Alors, il faut juste s'assurer d'avoir juste assez d'eau. La prochaine case, encore, on a sauté de 3. Alors, dans le quatrième ici, c'est bleu. Alors, on prend de la peinture avec de l'eau et on peut remplir la case. Alors, encore une fois, ça, c'est les trois couleurs primaires.
C'est les trois couleurs que n'importe quelle d'autre couleur que tu mélanges, tu ne peux pas faire le bleu, le jaune ni le rouge. C'est les couleurs qui doivent être très. C'est des couleurs naturelles qu'on ne peut pas juste créer. Mais toutes les autres couleurs sont créées à partir de ces trois-là. Alors, c'est pour ça qu'on les appelle les couleurs primaires. Ensuite, 1, 2, 3, on saute dans la case du jaune. Alors, la théorie des couleurs, qui est ce qu'on apprend comme celle-là, c'est quelque chose que vous allez utiliser tout au long de votre vie. C'est pas seulement dans l'année que tu es, tu vas le revoir encore à l'élémentaire, au secondaire, si tu vas au collège, université, aussi dans le monde du travail. Quand tu comprends les couleurs, puis ça vient le temps de choisir ou de comprendre les couleurs, c'est toujours une théorie qui revient. Alors, c'est bien de l'apprendre puis de bien le connaître. Maintenant, on va commencer à les mélanger. Alors, si tu mélanges le rouge et le jaune, on va sauter une case, puis on va mettre la couleur ici, quand tu mélanges le jaune et le rouge. On va voir qu'est-ce qui arrive. Peut-être qu'il y en a déjà qui savent. Alors, je mets mon rouge. Je vais laver mon pinceau pour pas qu'il mélange tout de suite. Puis, je vais aller chercher le jaune. Alors maintenant, j'ai mon jaune, je le mélange avec mon rouge et ça nous donne une nouvelle couleur. Et cette couleur-là, c'est orange. Alors, je vais prendre l'orange et je vais venir remplir la case. Alors, encore une fois, si tu n'as pas de peinture, fais juste prendre un crayon orange ou un marqueur, une plume feutre orange pour remplir cette case-là. Mais là, tu l'as vu, j'ai pas pris l'orange. J'ai mélangé le rouge et le jaune pour créer la nouvelle couleur. Et c'est la même chose maintenant qu'on va faire avec le rouge et le bleu. Puis on va le mettre au centre ici. On va mettre un haut pour l'orange. Et maintenant, on va remplir celui-là de rouge plus bleu. Alors, je vais mettre un petit peu d'eau dans le bleu pour aller chercher la peinture bleue. Et maintenant, je vais aller chercher la peinture rouge. Et quand ça se mélange, la couleur qu'on a est le violet. Alors, quand on mélange le rouge et le bleu, les deux couleurs deviennent maintenant le violet. Et le dernier ici, on va avoir le bleu et le jaune. On va remplir la case au milieu. On va mettre un V ici pour violet. Et maintenant, on peut aller chercher encore une fois. On va aller chercher le jaune. Je vais aller chercher la peinture jaune. Et je vais aller chercher la peinture bleue. Et quand ça se mélange, ça devient une autre couleur. Puis cette couleur-là, c'est le vert. Alors, c'est tout simplement en mélangeant les couleurs que maintenant, ces deux couleurs-là deviennent une autre couleur. Puis, c'est comme ça qu'on peut mélanger soit le jaune et le bleu, ou le jaune et le rouge et le bleu, pour créer toutes les autres couleurs. Ces couleurs ici, c'est le vert, V-E, V-E. I pour violet.
de ces couleurs-là, jaune, rouge, bleu, ce sont des couleurs primaires. Parce que tu ne peux pas mélanger pour les créer. Le orange, violet et vert, ce sont les couleurs secondaires. Parce que tu mélanges primaire ensemble pour créer secondaire. Alors, les trois couleurs secondaires, c'est orange, violet et vert. Pour remplir la roue de couleurs, on peut aussi faire des couleurs tertiaires, qui est la troisième couleur. Et ça, c'est quand tu mélanges les deux qui sont un à côté de l'autre, tu les mélanges pour créer une autre couleur à côté. Alors, ici, on va mélanger orange et rouge. Alors, je vais prendre un petit peu de l'orange. Et je vais ajouter un petit peu plus de rouge. Je le mets ici. Les couleurs tertiaires ont des noms qui sont composés de la couleur primaire et secondaire à côté. Alors, celui-ci, c'est un orange-rouge. Alors, tu peux mettre le rouge-orange. Tu mets le primaire en premier, rouge plus orange. Alors, tertiaire, c'est rouge-orange. Celui-ci, si on mélange plus de jaune dans notre orange, ça devient une autre couleur. C'est orange pareil, mais vu qu'on a ajouté du jaune avec l'orange, ça devient maintenant couleur primaire jaune. Plus couleur secondaire orange. Alors, c'est un jaune-orange. Jaune, jaune-orange, orange, rouge-orange et rouge. Et on peut continuer à faire ça avec les autres couleurs aussi. Alors, on va faire notre mélange de violet ici, avec le rouge et le bleu. Qui va nous donner notre violet. Et si j'ajoute plus de rouge avec le violet, ça va me donner mon rouge-violet. Rouge et violet. Et je remplis la case. Tu vois, c'est pas tout à fait violet, mais c'est pas tout à fait rouge. Alors ici, couleur primaire, rouge, plus couleur secondaire, violet. Alors, c'est un rouge-violet. Et maintenant, on peut faire la même chose, mais avec plus de bleu. Dans notre case ici. Tu vois, c'est un violet, mais c'est un violet qui est plus foncé un petit peu, parce qu'il y a plus de bleu. Alors, couleur primaire, bleu, plus secondaire, violet. Alors, c'est bleu-violet. On va remplir maintenant nos dernières petites cases avec nos couleurs tertiaires, les troisièmes. Alors, j'ai le bleu et le vert.
Alors, je vais ajouter un petit peu plus de bleu avec le vert qu'on avait déjà ici. Ça va devenir un bleu-vert. Alors, j'ai couleur primaire plus couleur secondaire bleu-vert. Et notre dernière case. Ici. J'ai plus de jaune avec le vert. Et ça va devenir notre dernière et nous, notre 12e couleur qu'on a créée, qu'on a peinturée. Et celui-là, couleur primaire, c'est le jaune. Couleur secondaire, vert, jaune, vert. Et comme vous voyez, ça nous donne de seulement les trois couleurs. On a maintenant une roue remplie avec 12 différentes couleurs. Alors, c'est quelque chose, soit avec de la peinture, des crayons ou des plumes feutres, que vous pouvez remplir votre roue de couleurs. Il y a plein d'activités qu'on peut faire avec la roue de couleurs. On peut regarder pour les couleurs complémentaires, et ça, c'est des couleurs directement opposées. Pour le rouge, ça va être le vert. Pour le jaune, c'est le violet. Pour le bleu, c'est l'orange. On peut aussi regarder à diviser la roue en moitié. Alors, entre le jaune vert, on va mettre notre ligne, puis ça va aller entre le rouge-violet et le violet. Alors, si on met une ligne ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a deux températures de couleur. Ici, avec le du jaune, aller jusqu'au rouge-violet, ce sont des couleurs chaudes. Si que je cache ce bord-là, tu vas voir que maintenant, ce côté-ci, que ce soit jaune-vert, vert-bleu-vert-bleu, bleu-violet et violet, ce sont les couleurs froides. Alors, encore une fois, je vais vous montrer, on va le dire. Je vais les cacher. Comme ça, la moitié, on commence avec le jaune. Jusqu'au rouge-violet, ce sont les couleurs chaudes. Ça nous fait penser, c'est les couleurs, ils disent des couleurs chaudes parce que c'est comme le soleil, le feu, les journées ensoleillées dehors. C'est toutes des couleurs qui nous donnent l'impression ou l'émotion. Pareil comme si que, quand on voit, on pense à des journées chaudes. Alors, ça, c'est les couleurs-là. Si qu'on va l'autre moitié, avec le jaune vert, aller jusqu'au violet, ça nous fait penser à des journées plus froides ou la nuit. Alors, comme la glace, ici, c'est des couleurs froides. Puis une façon de se rappeler, c'est vraiment entre de la glace, les couleurs froides, et comme le soleil, c'est des couleurs chaudes. Alors, nous autres, notre deuxième activité aujourd'hui va être de prendre des couleurs chaudes et des couleurs froides, et on va créer une image qui va être divisée en moitié, comme ça, avec des couleurs chaudes sur un côté et des couleurs froides sur l'autre. Alors, on va garder notre roue de couleur de près pour être capable de nous inspirer, de s'inspirer de ces couleurs-là. Alors, je vais juste aller chercher. Oui.
Alors, encore une fois, on va faire la même chose qu'on avait faite avec, pour faire notre roue de couleur. Puis, on va faire un autre cercle. Alors, ça va nous pratiquer vraiment à trouver le centre de la page. Juste m'assurer que c'est bien ça. Puis, je sais que je veux un cercle avec de 113 cm. Alors, je mets le centre. Je m'assure qu'il ne bouge pas et que je ne pèse pas plus fort pour me donner le cercle. Et maintenant, je vais juste faire le tour. Comme je vous ai dit avant, si vous n'avez pas un compas, tu peux toujours prendre une assiette et tout simplement le tracer. Soit une assiette, dépendant où ce que vous êtes dans la salle de classe, soit à la maison. De trouver quelque chose de rond pour créer un cercle. Pareil comme qu'on a fait avant, on va le diviser en deux avec une ligne. Alors, ici, ça va être des couleurs chaudes. Ici, ça va être une couleur froide. On va mettre des S parce qu'on va avoir plusieurs couleurs. Maintenant, de chaque côté, on va avoir un arbre au centre qu'on va dessiner en silhouette. Ici, ça va être une journée ensoleillée. Ici, ça va être la nuit. Alors, on va faire une lune, etc. Puis, on va prendre les couleurs. Puis vous allez voir que juste en avoir un arbre, mais avoir les différentes couleurs, ça vous donne, ça va vous aider à découvrir les couleurs chaudes et les couleurs froides. Alors, en haut ici, j'aimerais, moi je vais prendre un outil, mais si tu ne l'as pas, c'est correct. On va juste créer un autre cercle en haut de notre dessin. Alors, ça, c'est notre toile. Et on va faire un cercle. Si tu n'as pas un outil, tu peux encore utiliser le compas ou un petit verre pour dessiner le cercle. Ou tu peux juste le dessiner aussi. C'est correct. Maintenant, quand on va utiliser nos couleurs, c'est que il faut se rappeler quelle couleur qu'on peut utiliser sur chaque barre. Maintenant, on va commencer avec les couleurs chaudes. Alors, j'ai la roue de couleur et je vais le plier pour me montrer mes couleurs chaudes. Alors, je vais le placer ici. Là, on peut utiliser le jaune, jaune-orange, orange, rouge et rouge-violet. Alors, pour commencer, moi, je vais utiliser le jaune, mais je vais juste peinturer sur la moitié. Si que tu as de la peinture, tu peux toujours, si tu veux, mettre un morceau de ruban gommé pour protéger la moitié. Je vais essayer. Alors, j'ai du ruban gommé. Je vais le mettre la moitié, ça va éviter de mettre des couleurs chaudes sur ce bord ici. Alors, je l'ai mis sur le côté froid de la ligne. Alors, maintenant, on peut aller chercher des couleurs chaudes. Je commence avec le jaune et je peux peinturer mon soleil. Mais ça ne va pas aller sur l'autre côté. Ça va rester la moitié. Maintenant, à place de remélanger mes couleurs, moi, ici, je peux aller chercher mes couleurs. Encore l'orange.
qui est là. Et je peux commencer à ajouter un rayon autour de mon soleil avec l'orange. Si tu veux, tu peux juste ajouter un autre rayon de jaune et les mélanger pour continuer. Jusqu'à... Puis là, je peux commencer à ajouter peut-être un petit peu de rouge dans mon orange pour avoir le rouge orange. Et je continue à les mélanger. Si tu as tes crayons, tu peux juste commencer à colorier ton orange. Jusqu'à temps que ça se mélange avec ton le rouge. Ici, je vais juste rajouter pour me rendre éventuellement hein, ici. Où ce que je. Là, c'est le rouge-orange. Jusqu'à temps que je peux me rendre avec encore plus de rouge. Même si tu vois mes lignes de pinceau, c'est correct. C'est seulement pour vraiment être capable de voir les couleurs. Puis, de me rappeler que ça, c'est mes couleurs chaudes. Ici, j'ai le rouge-violet qui était déjà mélangé. Alors, j'ai été de jaune, jaune-orange, orange, orange-rouge, rouge, puis là, j'ai rouge-violet. Alors, si tu vois, c'est quasiment la même chose que la roue de couleur, c'est juste dans mon image. Alors, pendant que ça sèche, je vais maintenant enlever doucement, sans déchirer mon papier. Enlever mon petit morceau de tape. Et on peut faire la même chose, mais avec les couleurs froides. Alors, sur ce côté-ci, on va avoir le jaune-vert, puis on va aller jusqu'au violet. Alors, pour le soleil, pour la lune, qui va être l'autre bord, je veux un jaune-vert. Alors, je commence avec mon jaune vert. Celui-ci, par contre, qu'est-ce que c'est que je vais mettre, je vais ajouter quelques points plus foncés pour que ça ait l'air à la lune. Fait que c'est juste de mettre des picots, puis à fur et à mesure que ça sèche, ça va avoir de l'air. Comme la lune. Je vais ajouter un petit peu de vert plus foncé pour que vous pouvez le voir. Ensuite, je commence à faire la même chose que j'ai faite avec le jaune, ce bord-là. C'est que je commence avec le jaune vert. Ensuite, je peux aller dans le vert, dans le bleu vert. Alors, tout ce que c'est de mélanger les couleurs. Si jamais que ça arrive que tu as trop mis d'eau, un truc, c'est que tu fais juste prendre le coin, puis si tu fais juste
le taper un petit peu, ça va enlever l'eau. Puis là, tu peux retourner avec ta couleur. Puis le remettre. Alors là, je vais aller dans le bleu-vert. Ouais, j'ai été dans le jaune-vert, le vert. Maintenant, c'est le bleu-vert. Ensuite, ça va aller à bleu. On essaie de ne pas aller sur l'autre côté. Si ça, vous avez eu le temps de sécher, une fois que c'est sèche, tu peux toujours mettre un autre ruban gommé long. Alors, on va mettre le bleu. Et ensuite, on va aller dans le violet, bleu-violet. Les couleurs, je fais juste ajouter un petit peu d'eau puis ça m'aide à les mélanger un petit peu. Ensuite, je peux aller dans le violet. Celui-là, je vais ajouter un petit peu de bleu foncé pour juste le mettre un petit peu plus foncé. Mais ça va être mon violet pareil. Alors, encore une fois, hein, si tu vois hein, que nous avons les couleurs froides, jaune, vert, la vert, bleu, vert, bleu, bleu, violet et violet. Alors, pareil comme notre roue de couleurs, maintenant, on a notre image. Et, aussitôt que ça sèche, on va juste le donner une petite minute. Là, on a notre soleil et on a notre lune. Au centre ici, une fois que ça sèche, on va commencer à dessiner notre arbre. Alors, on va le faire en silhouette, qui veut dire qu'on va le faire tout en noir. Alors, je prends ma peinture noire. Puis tu ne veux pas avoir trop d'eau pour le faire parce que si tu mets trop d'eau, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va tout répandre. En bas ici, je commence mon arbre. Mais on va, tu peux le commencer en bas. Moi, je vais commencer juste un petit peu en haut. Je vais commencer à faire une ligne pour le tronc. Et je monte au centre de la ligne, au milieu du cercle. Mais en bas ici, je vais juste peser un petit peu plus fort. Puis en montant, je lève mon pinceau. Puis la ligne va devenir de plus en plus petite. Jusqu'à temps qu'en haut ici, ça touche quasiment pas. Puis la ligne est tout petite. Alors, tu vois que quand tu pèses plus fort, ta ligne va être plus large. Et si tu m'enlèves ton pinceau, ta ligne va être plus petite. Alors, je vais ajouter un petit peu plus maintenant sur le tronc de mon arbre. Je peux l'agrandir, dépendant comment large que tu le veux. Et je vais commencer à mettre des branches. Alors, à peu près la moitié de mon arbre, c'est là que je vais commencer. Puis, je ne vais pas les mettre trop grands. Puis, je fais juste tourner mon pinceau un petit peu. Puis, quand je tourne mon pinceau, ça me donne les lignes qui sont un petit peu courbées. Alors, tu peux le mettre juste à côté ou juste en bas, juste en haut. Je vais le mettre juste en bas. Encore une fois, je fais juste tourner mon pinceau un petit peu et je le lève pour aller de plus en plus petit.
jusqu'au bout. Là, je monte un petit peu. Encore, doucement, je lève mon pinceau pour être tout petit la ligne. La même chose sur l'autre bord. Pour ne pas avoir des branches qui sont trop épaisses. Je vais en faire un autre ici, tout petit. Encore ici, tout petit. Tu vois comment que ça a l'air comme un Y? Puis ici, un autre Y. Puis ici, un autre Y jusqu'en haut. Les branches en bas vont toujours être un petit peu plus grandes. Ils vont être un petit peu plus larges que les autres. Juste parce que ça fait plus longtemps qu'ils poussent. Les autres, c'est tout de tout nouveau, là. Si jamais que tu as fait une faute, tu peux juste y aller puis l'essuyer un petit peu. On va laver mon pinceau. Je vais ajouter un petit peu d'eau là-dessus. Avec. Je vais aller l'essuyer un petit peu. Maintenant, quand j'ajoute de la couleur, ça va juste la remplir. Ça va aller, mon soleil. Tu vois, c'est pas tout le temps parfait, même quand on fait des petites fautes. On fait juste les arranger du mieux qu'on peut. Alors, maintenant, la même chose avec mon pinceau. Puis la raison pourquoi que je suis capable de faire des branches comme ça, c'est à cause que mon pinceau, il est pointu. Alors, ça l'aide vraiment. Maintenant, je peux prendre encore. Sur chaque branche, je vais commencer à faire les mêmes Y. Alors, quand je vois une petite bosse, à partir de là, je peux mettre une autre petite branche. Tu n'es pas obligé de les mettre grandes. Ça peut être des tout petites branches. Alors, je vais commencer juste à faire des Y. Selon les bosses que je vois que j'ai faites. Ici, c'est des tout petites branches. J'essaie de les garder tout petits. Maintenant qu'on a la base, on va juste faire un petit peu d'herbe en bas. Pour faire ça, je prends mon pinceau et je fais juste peinturer un petit peu vers le haut. Mais tu vois que je ne les mets pas toutes dans la même direction. Je veux juste... Tu ne veux pas des petits soldats. Tu veux avoir de l'herbe qui va d'un côté et de l'autre. Ça va t'aider à vraiment créer de l'herbe qui a un petit peu plus de vie que juste des petites branches droites, un à côté de l'autre. Si tu les mets un petit peu de côté, là, ça a de l'air un petit peu plus réel. On va prendre juste quelques minutes pour prendre nos couleurs primaires et secondaire pour mettre des feuilles. Alors ici, je vais commencer avec le plus foncé qui est le rouge-violet. Et avec mon rouge-violet, je mets des points pour mes feuilles. Je vais essayer de garder les plus foncés en bas ici. Ensuite, je peux aller dans mon rouge et j'ajoute le rouge. Encore des coups de pinceau, des petits coups de pinceau. Ensuite, je vais dans mon orange.
en dernier. Je peux aller chercher. Ça paraissera quasiment pas. Mais je peux ajouter quelques jaunes à travers. Maintenant, je vais faire la même chose avec mes couleurs froides. Je commence avec le foncé, qui était le violet. J'essaie de le garder plus vers le bas, un petit peu moins. Puis les plus pâles en haut. Maintenant, je peux aller dans le bleu. Et le vert. Et comme ça, on a maintenant notre arbre en silhouette, qui est le noir, avec des couleurs froides et des couleurs chaudes. Si vous prenez votre roue de couleur, tu vois le jaune aller jusqu'au rouge violet, c'est des couleurs chaudes. Jaune, vert, vert, bleu, violet. C'est des couleurs froides. Puis ici, tu peux voir que tu as un dessin, que ta peinture avec des couleurs chaudes. Ça te donne l'impression d'une belle journée ensoleillée, tout chaud dehors. Ça va te donner d'essayer de rappeler les couleurs chaudes. C'est comme une journée chaude. Et si tu le mets avec les couleurs froides, c'est comme la nuit de la glace quand il fait plus froid. Alors, tu vois encore ici, jaune, vert, vert, bleu, bleu, violet, jusqu'à aller au violet, qui sont des journées de couleurs froides. Alors, j'espère que cette activité peut vous aider à vous rappeler quelles sont les couleurs chaudes et quelles sont les couleurs froides quand vous allez parler à propos de la théorie de couleurs. Alors, amusez-vous la prochaine fois. N'oubliez pas d'utiliser des couleurs chaudes ou des couleurs froides si vous voulez créer une température dans votre dessin qui va te donner l'impression d'avoir peut-être un petit peu plus de chaleur ou de fraîcheur selon votre dessin. Merci, à la prochaine!